Salut les gens! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être un haul Shein. Ok, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai trouvées sur Shein qui sont archi cute. Je vais vous montrer des robes pour être sexy pendant l'hiver. Du coup, avant qu'on commence, bien sûr, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, laissez un petit commentaire parce que c'est archi plaisir de vous entendre. Et bien sûr, partagez la vidéo avec vos amis, vos potes, votre famille, tout ça, tout ça. Du coup, je vais pas trop parler, on va juste commencer la vidéo. Let's go. Du coup, on a notre paquet ici. Je l'ai pas encore ouvert parce que je vous attendais vous en fait. Premier article, petite longue robe. Bref, on va laisser. Let's go. First dress. Trop belle. J'ai toujours regardé en passe parce que j'ai mis un petit miroir pour que je puisse me voir. Mais je la trouve magnifique. Déjà, j'aime trop la couleur. En fait, ça fait entre été et hiver. Mais je trouve qu'elle est trop belle. Elle va archi bien. Je pense que je l'ai pris en S. Parce qu'elle est quand même stretchy. Les manches sont archi longues. Il y a des boutons. Il y a une petite fente ici devant. J'aime trop. Et ça, avec, j'ai envie de dire, des chaussures transparentes et tout, ça pourrait être archi cute. Et comme je dis toujours, genre en mode, j'aime trop les robes qui sont longues et qui me serrent, qui sont quand même moulantes et tout. Parce que c'est vraiment dans des robes comme ça que je me sens plus sexy, quoi. Donc j'aime trop. En vrai de vrai, si j'avais pris XS, je serais rentrée dedans. Parce que il y a encore de la place, tu vois. Mais ça veut dire que quand je pars au restaurant et que je mange bien, il y a encore de la place. Je donne un petit 8 sur 10. Ça commence bien. Next. Donc, next dress. Archi cute. Très similaire à celle que je viens de porter. Juste en bleu, avec des boutons. Comparé à l'autre, elle sert un peu plus. Ouais, non, elle est trop belle. Elle va archi bien. Elle est stretchy. Le matériel, il est quand même épais. Encore une fois, c'est bien pour l'hiver. Avec des talons transparents ou noirs. Ça donnerait de ouf, j'aime trop. En plus, je trouve qu'avec des bijoux en or, en fait, ça va avec tout. Ça, le truc, ça va avec tout. Ça fait classe directement et tout. J'aime trop. Je pense que j'ai aucune robe en bleu, donc du coup, je suis contente. Bien sûr, laissez-moi en commentaire et dites-moi la robe préférée, hein, votre robe préférée. Je préfère celle-là qu'à l'autre, je crois, parce que ça fait un peu plus hiver, vu que la couleur, elle est un peu sombre et tout. Donc ça, je donne aussi un 8. En bas, par contre, les boutons s'arrêtent vraiment ici, genre. Donc là, ça s'arrête. Et puis ça fait une petite fente en bas et tout. Je trouve ça quand même dommage que ça ne descende pas jusqu'en bas. Mais comme je suis grande, ça ne m'étonne pas. Next. Next dress. J'aime trop. Pour les gens qui ne savent pas, ma couleur préférée c'est le mauve. J'aime beaucoup. Déjà, je ne m'attendais pas à la matière de cette robe. Elle est douce. Très légère sur le corps. Mais quand même assez épais pour l'hiver. Avec une bonne longue trench noire. Même blanc, ça donnerait de ouf. J'aime même trop le V ici là, comment ça fait ici. Genre le V ici là. C'est 10 sur 10. Après je trouve que cette robe aussi ça donne un peu un autre vibe. Je trouve que ça fait genre sexy, genre sexy restaurant et tout comme ça. Je trouve que ça fait genre un peu plus sexy, genre travail. Non mais non, j'aime trop. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup comme d'hab, hein, j'aime toutes mes collections toujours. Elle est un peu plus courte que les autres. Enfin, elle tombe en dessous des genoux. Hein. Vous savez bien, hein, Nutricia dans des longues robes. Ça donne ça. Je sais pas si je l'aime plus que l'autre. Je pense que la bleue reste ma robe préférée. Mais je donne aussi ça en 7. Je donne ça en 7. Ouais. Next. What? Il me faut cette robe en toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Waouh. Elle est magnifique. Waouh, je suis choquée. Votre go, elle est juste choquée. Elle est magnifique. Elle va jusqu'en bas. Quand je vous dis jusqu'en bas, elle arrive à mes pieds. Elle est magnifique. Comment elle me serre. Comment elle est moulante. Le rouge comme ça là. J'aime trop. En plus, elle est longue partout. Genre même au bras et tout. C'est quoi ça? Michel, hein, 9 sur 10. Hein. 9 sur 10. Je suis. Oh, choquée. Elle est trop belle. Elle est archi moulante. Je pense que je l'ai pris en S. Je suis juste amoureuse de cette robe. Elle est trop belle. Cette robe, c'était un vibe. Vous avez vu, hein? J'ai quand même pris des couleurs, hein? Tiens, moi. Parce que normalement, je suis toujours dans les moods et tout. Là, je me suis dit, vas-y, dépasse-toi. Prends un peu une couleur pépante et tout. Et ça pour
la Saint-Valentin. Si votre gars il vous regarde pas de bout en bas, je sais pas, c'est pas votre gars, hein. Changez de gars. Hein. Il doit vous voir, ça marche pas tomber par terre. Voilà. Ben un next, hein. Si on peut faire mieux, vraiment. Waouh. Next dress. Je voulais quand même un peu varier et prendre une robe courte. Thing is, je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est un flop. Je sais pas, sur le modèle ça donne un peu différent, c'est beaucoup mieux. Je sais pas, j'aime pas trop. C'est vraiment le fait que c'est court, c'est juste le modèle, je sais pas. Bref, ici t'as genre un fil et tout où tu peux raccourcir. Je sais pas si j'allonge le truc, je vais kiffer. Vous préférez comme ça ou pas? Je sais pas, hein. Et je sais pas, je suis pas trop fan de la robe. Sur le modèle, ça avait, enfin, c'était beaucoup mieux. Je pourrais la porter si j'ai vraiment rien d'autre à porter. Mais sinon, je donne vraiment un 5 sur 10. Hein. Je suis pas du tout fan. Après, la couleur, elle est bien. J'aime bien. Vous savez bien, moi, je suis grave dans les teintes nude et tout, donc j'aime bien. Les manches, elles sont longues. Il y a un col roulé. C'est élastique. Donc, en fait, la robe, elle peut marcher. Mais j'aime pas la coupe. Je suis un peu déçue, j'avoue. C'est un flop. Vraiment, je donne un 4 sur 10. Hein. Moi, ce que vous en pensez, peut-être que j'abuse. Ah non. Mouah. Allez, next. Next little dress. J'aime trop la couleur. Petite robe verte, archi longue, grave sexy. Bien, très bien pour l'hiver, parce qu'elle est lourde. Elle est vraiment lourde. Genre, quand je l'ai sortie du sachet et tout, genre, elle était vraiment lourde. Donc, j'aime trop. Ça me sert un peu, pas trop. Je trouve que ça me donne vraiment une bonne forme. Et je viens de réaliser que je pense que je l'ai prise aussi en noir. Donc ça montre vraiment que j'aime beaucoup la robe. J'avais pas capté que j'avais fait la même chose en fait. Et j'avais mise un de mes vlogs. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'était le weekly vlog. Hein. Je crois, hein, parce que ça me donne un peu le même vibe et tout. Mais sinon, like it a lot. Je donne ça vraiment un 8 sur 10. J'aime trop comment ça me sert, comment ça descend et tout. Avec des petites bottines, ça serait archi cute. Elle est quand même une moulante, mais il y a assez de place dedans. Genre si j'aurais pris une taille un peu plus petite, je serais rentrée dedans. Et c'est du S que j'ai pris. Les boutons et tout, vraiment j'ai capté que vraiment je suis une meuf, j'aime beaucoup les boutons sur une robe. Je vais refermer ici pour faire un peu en plus. Voilà, comme ça, mais je sais pas, moi j'aime bien hein, ouvrir un peu. Parce que de toute façon j'aime pas des gros lolos, donc en fait y a rien à voir. Elle descend jusqu'en bas, elle est juste un peu au-dessus de mes ankles, comment on dit ça en français, mes chevilles. Je vais vous montrer la robe en noir. Je crois que c'est la même, mais je suis pas sûre. C'est quand je l'ai mise, elle m'a fait rappeler cette robe-là, mais peut-être que c'est juste parce qu'elle se ressemble que je crois que c'est la même robe. Next. Voici la robe en noir. C'est la même robe. C'est ni chaîne la même robe, c'est-à-dire que vraiment je suis attirée par les mêmes robes. Hein. Parce que c'est une autre commande. Cette robe-là, je l'ai commandée, je sais pas moi. Je crois octobre. Peut-être septembre. Que je l'ai commandée. Et du coup, vraiment, c'est le même vibe. Donc j'aime vraiment les mêmes robes, quoi. Sauf que l'autre, elle est verte. Celle-là, elle est noire. Dites-moi si vous préférez la noire ou la verte. Moi, je sais pas. Je sais pas. Mais sinon, même chose. Épais. Bouton. Fermé comme vous voulez. Longue manche. J'aime trop. Elle descend bien jusqu'en bas. Assez moulante, pas trop serrante, donc c'est à dire que si vous voulez vraiment que ça serre, taillez plus bas. Moi j'ai pris du S, donc je pense bien que je suis rentrée dans du XS, surtout que c'est des boutons, normalement ça devrait être carré. Mais sinon j'aime trop comment elle me va. J'ai donné quoi à ça? 8 sur 10 aussi, hein, 8 sur 10. Après je trouve que, non, 8 et demi sur 10 parce que c'est du noir. Sauf que du noir ça va avec tout. Je mets des petites bottes, ça va. Longue range, ça va. Des talons transparents, ça va. Des talons noirs, ça va. Des talons même dorés. Ça va, tu vois. Même dans le verre. Ça va. Et vous pouvez pas dire que je suis pas cute en fait. Vous pouvez pas dire que votre go, elle est pas cute. Parce que là, pour moi, vous avez menti. Next. Petite robe bleue. Trop mignonne. Grave courte. Elle me fait trop penser à ma robe au poulie. Un peu genre orangé rose comme ça. Vraiment dans le même vibe. Le seul truc, c'est que la robe au poulie, ben, en fait, tous les boutons sont ouverts en fait. Enfin, tu peux ouvrir. Alors que ici, c'est chez une It's a Scam. Je peux pas ouvrir. C'est juste que des boutons ici que tu peux ouvrir genre pour fermer et tout. Mais ça ici, ça, c'est faux. C'est des faux boutons. Après, moi, le seul truc qui me dérange avec les robes courtes, c'est que ça monte ouf en fait. Donc, toujours devoir rabaisser la robe et tout, ça m'énerve un peu. Mais sinon, la Vedel Lot, j'aime trop la couleur. C'est une bonne robe pour l'hiver, vraiment. Pour être sexy et tout. Je me vois bien porter ça avec des talons transparents. Par contre, voilà. Des talons bien transparents et tout.
longue fraîche blanche. Oui, en blanc. Comme c'est une couleur un peu plus claire, par exemple, que la première robe que je vais vous montrer ou la deuxième robe, la bleue, je trouve qu'avec une longue fraîche blanche, ça devrait donner de ouf. Et du coup, là, j'ai envie de m'acheter une fraîche blanche. Voilà, ça commence. C'est comme ça que je m'achète des trucs. Je suis 3 plus 6, c'est incroyable. Allez, next. La dernière petite robe brune. Il fallait au moins que je prenne une teinte nude. So I did it. Very proud of myself. J'aime beaucoup la robe, elle est archi longue. Manche bien longue. Elle est quand même assez légère, mais si vous mettez une bonne veste et tout, je trouve que ça va. Mais sinon, ça fait vraiment hiver, hein, je trouve. Hein. Tu vois, quand même, être sexy un peu pour l'hiver, être cute pour l'hiver et tout. Je trouve que ça donne. Et du coup, j'aime bien. C'est une robe, je trouve qu'elle est comme casual. Donc, un petit resto, une petite balade sur Bruxelles avec des petites bottines et tout. Je trouve que ça donne archi bien. Je pense que ben, la robe qui gagne, c'est Nichelle, la robe rouge. Hein. Donc voilà, ça, je donne un petit 7 ou 6 sur 10. Genre, c'est pas mal. Mais je trouve que les autres robes, elles étaient mieux, tu vois. Mais c'est un bon petit nude et tout. Genre, un truc que tu mets vraiment chap-chap quand tu veux être mignonne et tout. Non, non. Donc voilà, je vous ai tout montré. J'espère que vous avez kiffé parce que I did. Et donc voilà les gars, c'est la fin du haul. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce petit haul. C'était pas un haul hyper long, hyper large, mais vraiment je vous ai montré les pièces que moi j'ai kiffé et que j'aime porter pendant l'hiver. Je trouve que j'ai quand même trouvé des pépites. Hein. Bref, comme d'hab, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les robes que vous avez préférées, les robes que vous avez pas trop aimées, tout ça. J'aime toujours entendre de vos retours. Et voilà. Ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux sociaux et encore une fois de laisser un petit commentaire parce que ça fait archi, 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 archi plaisir de vous entendre, les gars. Je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine. Bisous!